Oui, Jérémy? T'es drôle, Jérémy. Tu me parles comme si on était dans un bateau. Regardez à bâbord. Je te signale, mon capitaine, qu'on est dans l'espace et pas dans l'eau. D'accord, d'accord, je regarde à bâbord. Wow! Trésor des fonds marins? As-tu envie de faire une petite saucette dans l'eau par hasard? Mon capitaine, s'il vous plaît, enlevez l'ancrage, préparez les nageoires et les flotteurs et n'oubliez pas de noyer les attirails à tourbillon. Prochaine station, au monde des poissons! Oui, Jérémy? Tu veux savoir ce que c'est que de noyer les attirails à tourbillon? Je dirais que c'est plutôt dans le sens de noyer les attirails à... Jérémy, enclenche le capitaine automatique pour que l'on puisse mariner les vêtements. Mais efficace. Prête pour le grand plongeon coccinelle? Jérémy, mesure l'angle du plongeon coccinelle pour être certain qu'elle ne se fasse pas mal à la bédaine. Plongeon 45 degrés. Et moi, c'est Répète. Excusez-nous d'interrompre ce plongeon, mais comme vous le savez, on est tombé dans l'eau. Ouais. Mais dans l'eau brocolesque, cinématographique, donc magique. Et c'est pour ça qu'on doit vous dire que de tout ce que vous allez voir dans ce film, il n'y a qu'une seule. Une seule. Vraiment qu'une seule chose que vous pouvez répéter chez vous. Non, il ne faut pas plonger dans l'eau sans surveillance. Pas plonger. Pas respirer dans l'eau. Pas respirer. Pas répéter. Pas répéter. Oups. Mais par contre, vous pouvez... Vas-y, gâte-toi. Faire des bulles dans votre bain. Merci. Et bon film! Bon film! Qu'est-ce que ça m'a dit?
baleine danse au rythme de la musique. Les coquillages me saluent de façon exotique. Des petits poissons rastas nous font un accueil bien rythmé. La Jamaïque dans les cailles, les nageoires sur leur djembé. La guitare syncopée nous donne envie de danser. C'est la fête des tropiques sur un air de reggae. C'est aqua, aqua magnifique. Viva les tropiques. C'est aqua, aqua magnifique. Viva les tropiques. Préparez-vous à plonger dans une aventure au lait. Venez donc vous éclater au monde de l'eau salée. Chers petits pieds palmés, oui, soyez bien chaussés. Les bonbonnes bien gonflées, les lunettes bien ajustées. Jérémy, mon moussaillon, a bien hissé les ailerons. C'est plus beau sous-marin jaune de toutes les nations. Nul autre que Coccinelle qui fait son petit bouffon. Elle fait des drôles de bulles avec un joli poisson. C'est à quoi? À la plage, des méduses qui s'amusent, des crustacés, olé olé. Des bananes, beaucoup de bananes, des ananas par-ci par-là. De la physique, des tropiques, du plaisir et des fous rires. Des bulles qui déambulent, des algues qui font des vagues. Des crevettes plutôt coquettes, des oursins un peu coquets. Un Jérémy super gentil, une Germaine qui fait des siennes. La plus belle, les coccinelles, une Annie et ses petits brocolis. C'est vrai que c'est magnifique ici, pas vrai, Coccinelle? Bienvenue au labyrinthe de l'eau net, 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 net. Bon, d'accord. Mon nom est Supernet et je serai votre hôte pour les 24. Prochaine heure. Voici les règles du jeu. Je suis d'une course contre la montre. Alors, je disais donc que vous avez 24 heures pour franchir la ligne d'arrivée. Il y aura 5 stations où vous aurez à trouver des trésors. Surtout,
ne les perdez pas, car ils sont très précieux. Voici votre première mission. Elles sont de métal vêtu. Elles gardent les aliments non crus. Une fois ouvertes, on ne les conserve plus. Oh là là. Mais vous devez les trouver. Pourriez-vous être moins clair, s'il vous plaît? Impossible, car je n'aime ce qui est clair et net. Bon, d'accord. Bon, Jérémy, je crois qu'il va falloir se débrouiller tout seul. Il ne faut pas avoir peur de se mouiller dans la vie. De métal vêtu. C'est pas clair. Ça va, Supernet? Oui, comme un poisson dans l'eau, mais dans un tourbillon. Bonne baignade. S'il vous plaît, veuillez composer votre code pour entrer au lavabo tôt à la mode. Maintenant, veuillez avancer lentement jusqu'à ce que vous entendiez carrosserie et laissez-nous vous apporter un biscuit. Voici maintenant la star des lavotos, la pieuvre multifonctionnelle et turbo. Splash, boogie, splash. Splash, boogie, boogie, splash. Splash, boogie, splash. Le boogie, 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 splash. Son eau douce, provenant entièrement d'une source, pour ensuite vous enduire de savonine, biodégradable à base de l'OS marine. Attention, ça va mousser au lavabo tôt, car Splash se transforme en toupie turbo. Massage complet de la carrosserie, pédicure de pneus et réflexologie. Ça va, Coccinelle? On dirait que ta carrosserie sonne la casserole.
Oui, Jérémy? Tu crois que ça vient de poupe? Oh, pardon, tu veux dire d'en arrière? Pourrais-tu aller voir, s'il te plaît? Mais non, l'eau n'est sûrement pas froide parce qu'on est dans les tropiques. D'accord, j'y vais. Préparation de l'hydrophase. Couper les moteurs. Ouverture des valves hydrofuges. Vérification de ma marguerite d'oxygène. Immersion commencée! N'essayez pas ça à la maison. Ouverture de l'écoutille. Oui, Coccinelle, tu peux chasser l'eau des ballasts toi-même. Moi non plus, je comprends pas grand-chose de ce que je dis, mais ce que je veux dire, c'est que oui, tu peux faire sortir l'eau toi-même. Jérémy, c'est extraordinaire. L'eau est tellement bonne. Je sais pas où t'as pêché ton histoire d'eau folle, mais... Hé! Hey, partez pas! Je voulais pas dire pêcher dans le sens de pêcher. Bon? Je pensais pas devenir chef mécanicienne d'un sous-marin un jour. Coccinelle, je pense que je l'ai. Des boîtes de conserve. Comme pour les nouveaux mariés. Des boîtes de conserve. C'est ça qu'on cherchait. Elles sont de métal vêtu. Des boîtes de conserve, il me semble que ça ressemble pas à un trésor. Mais il faut les garder bien précieusement. Allez, on n'a pas de temps à perdre. Merci, Coccinelle, mais je crois que je vais marcher un peu. Question de prendre un peu d'eau pure. Là-bas. On n'ira pas par là. Mais comment peut-on aller là-bas sans passer par là? Coccinelle, on n'a pas le choix. Il faut qu'on se sépare. Toi, tu vas par là, puis moi, je vais là-bas. Et si mon calcul est exact, on devrait se retrouver à quelque part là-bas. On s'appelle, Coccinelle? Jérémy, je compte sur toi pour garder le cap. On s'appelle, hein? Tu as franchi la première étape. Mais as-tu conservé les conserves? Mais oui, comme un trésor. Parfait. Tu es maintenant à la recherche de ceci. Elles enveloppent des fruits. Des fruits tropicaux, merci. On ne les mange jamais. On ne marche pas dessus, désormais. Je me fais bien clair. Oui, comme de l'eau de roche, finalement. Thank you.
Youhou, y a quelqu'un? Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. On se calme, on se calme. Bonjour, ma petite madame, et bienvenue à notre kiosque. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas ici pour vous raconter des salades. Ah! Un vrai petit bout en train. Ah, alors moi, c'est Cloro, et lui, c'est... Et moi, c'est Afil. Est-ce que ça Afil aujourd'hui? Ça file, c'est certain. En fait, j'aurais besoin de quelques informations parce que, voyez-vous, je fais une chasse au trésor et je cherche des enveloppes de fruits qui ne se mangent pas. Je vous arrête tout de suite, madame... Madame Brocoli. Madame Brocoli! Je vous signale, Madame Brocoli, qu'ici, on est plutôt du genre légumes. Et pour les fruits de mer, c'est au bout de la file. Merci, Phil. Je file en douce? Drôle, mon fils, tu devrais devenir humoriste. Les gens feraient la affile pour venir voir mon spectacle. Les bocs, les pommes, amam la fidèle, na am, aïsir la wom, nanak banana. Les bocs, les pommes, hey, ma le balen, aïsir la wom, nanak banana.
boglipon amon na fida na am esek la won na nag banana. Non, c'est moi, maman. Toi, c'est banana. Non, c'est pas moi, c'est toi. Je dois savoir qui je suis quand même. Excusez-moi de vous déranger, mais pourriez-vous me dire où je pourrais trouver des pots de bananes, s'il vous plaît? Par là. Non, pas par là. Par là. C'est ça que je dis, par là. Je dois savoir où elles sont quand même. C'est moi qui les ai mises là. Non, c'est pas toi, c'est moi. Bon, merci quand même. Parce que toi, tu étais là-bas. Puis moi, j'étais là. Tiens. Je vais téléphoner à Jérémy. Bonjour, Jérémy. Je viens de trouver notre deuxième trésor. Est-ce que vous êtes loin? Parfait, je vous attends. Je suis contente de vous voir. Allez, on peut maintenant embarquer notre trésor. Quoi, Coccinelle, tu veux pas? Je sais que ça ressemble pas vraiment à un trésor, mais... Mais non, personne te prend pour une poubelle. Super Ned, la rescousse de la planète! Bonjour, Super Ned. On a justement besoin d'un super-héros avec les idées claires, nettes et surtout précises. Parce que Coccinelle commence à trouver qu'on la prend pour une poubelle. Premièrement, les poubelles n'existent plus depuis... Des os! Pas des os! Des os! De l'eau. Louche, louche. Et pour ce qui est du super-héros, avec les idées claires et net, vous êtes tombé sur le banc. Alors? Alors? Je vous propose la mission numéro 3, qui pourra sûrement aider Cachemine-elle. Mosquitelle. Elle. Il est entrelacé. Je dirais même Carole. Même s'il est troué, il pourra vous aider. C'est assez clair? Oui. Comme quelque chose de clair, genre, style. Comme de pour non. Attends-moi, Coccinelle, je reviens avec ce qu'il faut pour te faire sourire la carrosserie. Excusez, monsieur, je vous ai pas entendu. En fait, je suis un piéton qui s'occupe de la circulation. Et vous ne pouvez pas passer ici car c'est un passage pour les piétons. Il n'y a que les piétons qui nagent dans ces eaux-là. Mais, monsieur piéton, les apparences sont parfois trompeuses car je suis moi-même un piéton. Ah oui? Mais oui, vous êtes un piéton, mademoiselle. Je suis désolée, je sais vraiment pas où j'avais les pieds. Dans la même bottine, peut-être? Ah oui, tiens. Une chance que j'en ai juste un. Merci, monsieur piéton. Bienvenue, mademoiselle. Et bonne marche. Au revoir. Au revoir. Tiens, est-ce que ça marche ou ça nage, un piéton?
je me suis fait prendre dans un filet. Oh, oh, oh. Séparés par un filet de cordon, leur territoire était bien délimité. Les X pataugeaient de leur côté, les O flottinaient de l'autre. Pas question de se mélanger aux autres. Nous sommes les X, nous sommes les X, nous sommes complices, les X. Nous sommes les O, nous sommes les O, nous sommes du même troupeau, les O. Nous sommes les X, nous sommes les X, nous sommes complices, les X. Nous sommes les hauts, nous sommes les hauts, nous sommes du même troupeau, les hauts. Les X et les O commençaient à s'ennuyer. On aurait pu entendre un poisson-mouche nager. Que faire pour meubler les temps longs? Il n'y avait pas grand-chose à faire au fond. Un jour, un X eut la brillante idée de s'installer dans le décor du filet bien natté. Un O veut se placer au-dessus de sa tête. Depuis chez les O, X, c'est la fin. Nous sommes les X, nous sommes les O, nous jouons au tic-tac, au tic-tac, donc nous sommes les X, nous sommes les O, nous jouons au tic-tac, au tic-tac, donc nous sommes les X, nous sommes les O, nous jouons au tic-tac, au tic-tac, donc nous sommes les X, nous sommes les O, nous jouons au tic-tac, au tic-tac, donc chez les O X, le filet est tombé pour ne plus jamais être séparé, mais une portion. Heureuse, Madame Coccinelle? Oui. T'as faim maintenant. Que dirais-tu d'une bonne banane? Parce que toi, c'était là-bas. Et puis moi, j'étais là. Donc, c'est moi qui étais là. Excusez-moi encore, mais c'est combien pour les bananes? Rien. Grâce à Stélinama. Tiens. Si on s'appelait comme ça, les nanas. Nana et Nana. Non, je suis pas sûre, moi. Il me semble qu'on ne peut pas être deux à s'appeler Nana. Sinon, ce serait qui, Panana? Merci. Bienvenue. Mais sans blague, si on était deux à s'appeler Nana, il me semble qu'on serait toujours deux à répondre. Tu vois bien que ça ne fonctionnerait pas. Thank you.
Bon matin, les amis. Avez-vous bien dormi? Moi aussi. J'ai rêvé à une petite sirène. Ah oui, elle s'appelait Océane. Oh, elle était tellement jolie. Ah oui, je me souviens. J'ai rêvé qu'elle m'avait donné un porte-bonheur. On nage un peu. Supernet? Excusez-moi, pourriez-vous m'aider à sortir, s'il vous plaît? Pauvre Supernet! Ouf! Merci. Supernet, ton... ton balai? Allez, tes cheveux. Veux-tu un râteau? Merci, Supernet. Je sais pas ce que j'ai ce matin, mais... j'arrive vraiment pas à me réveiller. C'est comme si je manquais d'oxygène. On dirait que mes idées sont pas claires. C'est drôle, moi aussi. J'ai oublié de dire quelque chose en arrivant. Ah oui, quoi? Supernet! À la rage-couche de la planète! Revenons à nos brocolis. Pour être bien réveillé, il faut avoir une bonne circulation d'oxygène et en avoir la tuyauterie remplie partout. Et pour ce faire, il faut boucher. Elles sont deux, toujours dans les pieds. Un, deux. Dans l'eau, on ne peut s'en passer. Elles vous aideront à sauter. Qu'est-ce clair? Comme un clair de lune. Quelque chose aussi extraordinaire. Oh, j'avoue que si
je ne m'avais pas, je me vanterais. Ah! Pas toi, Annie. 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 Annie! As-tu bien compris ce que j'ai dit? Que t'es extraordinaire. Tu m'as arraché les mots de la bouche. Germaine, un, deux,
Germaine? Ah! Alors, Annie, comment te sens-tu après un beau bain à la verveine et le plein d'oxygène? À merveille. Merci, Germaine. C'est vrai que t'es extraordinaire. Je te l'avais dit! Oh, c'est tellement difficile de rester humble quand on est aussi extraordinaire comme je suis. Germaine, t'avais pas quelque chose à me remettre? Ah non! Celles-ci vont avec ma nouvelle peau. N'est-ce pas extraordinaire d'ailleurs, agencée jusqu'au bout des palmes? Oui, mais... Oui, mais... J'ai pour toi, ma chère Annie, des palmes qui ont passé à l'histoire. Elles sont un peu trouées, j'avoue, mais... C'est parce qu'elles ont beaucoup sauté. Et dans les pieds de qui? Bibi! Moi-même! Je sais, c'est extraordinaire. C'est un très, très gros cadeau. Mais je dirais même un trésor. Ce n'est vraiment pas tout le monde qui a la chance d'avoir les palmes d'une star! Merci, Germaine. Merci du fond du cœur. Je sais. Ça doit être extraordinaire pour toi. Si tant, tellement. Au revoir, merci. Oui. Mais si jamais vous avez besoin de voir quelqu'un d'extraordinaire, rempli d'énergie, positive, capable de produire de l'oxygène pour l'océan entier, et surtout, comment je suis devenue Jérémy, as-tu vu Coccinelle, toi? T'as raison, je vais lui téléphoner. Voyons. Coccinelle? Il est où? Y a quelqu'un? Je la rappellerai plus tard. Oh, c'est fou, Jérémy, je me sens tellement en forme, il me semble que j'irais danser. Toi aussi? Est-ce qu'il y a de la danse ici? C'est clair. Qu'est-ce qui est clair? C'est pas clair. C'est clair que tu es au bon endroit pour danser et pour la dernière étape. Attention. On les feuillette page par page pour s'inspirer des images. Avec lui, on n'en a plus besoin car il connaît la mode haut la main. Bonne tranche et bonne danse. Supernet, tu vois, c'est parce que pour danser, j'aurais besoin de musique. Et comme c'est là, c'est pas clair ce que j'entends. Tu comprends? Excuse-moi, Annie. Savoir sur les tendances marines, ne vous
forcément pour un look du tonnerre. Cette année, les cailles se portent à l'envers. Et pour le très cher crustacé, la carapace se porte bien cuivrée. C'est la fièvre du disco. C'est la fièvre du disco. On n'a toujours pas revu. Revu? Des revues, c'est ça qu'on cherchait. Mais on n'a toujours pas trouvé Coccinelle. Coccinelle, réponds, je commence à être inquiète. Bon, enfin, qu'est-ce que tu faisais, Coccinelle? D'accord, tu me raconteras plus tard. Mais viens vite parce qu'on a trouvé un autre trésor. Parfait, on t'attend. Jérémy, je crois que ça y est. Si on trouve le fil d'arrivée d'ici 3-4 bulles, je pense qu'on va avoir réussi. Wow, Coccinelle, j'ai hâte que tu me racontes ton périple. Des exercices? Tant mieux si t'as eu du plaisir. Bon, on a assez brocolisé. Bateau, gardez le cap sur le compas et en route vers la ligne d'arrivée. Youhou! Non, pas ici. Non plus. Ça va, Supernette? Ça va. Ça va comme l'eau sur le dos d'un canard. Supernette à la rescousse de la planète! Oh, yeah. Supernette, je comprends que tu es à la rescousse de la planète, mais même si j'ai eu un plaisir fou à chercher tes trésors, je comprends toujours pas ce que tu vas faire de ces ordures. Il est premièrement défendu de traiter mes trésors d'ordures. Alors je vous prie, mes très chers amis, de bien vouloir les mettre dans mon coffre au trésor. Où ça? Par là. Non. Par là.
voyons, à côté du fil d'arrivée, tu m'arraches les fils de la bouche. Supernet, j'ai vraiment besoin d'explications. Tiens, une petite lecture claire et nette. Nette, 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 nette. Supernet était un vidangeur marin, fier de se lever chaque matin pour vider les poubelles du coin et ainsi garder l'environnement sain. Tralala, Supernet! Changer l'histoire, Supernet fut pris de désespoir. Quand il s'aperçut que le dépotoir débordait de déchets et de choses bizarres. Supernet à la rescousse de la planète. Supernet à la rescousse de la planète. Une idée lui traversa l'esprit. Supernet rassemble à ses amis pour l'aider à donner seconde vie à la tonne d'ordures cramoisie. Tralala Supernet! En quelques pas de gymnastique et plusieurs coups de balai magique, papier, conserve, verre et plastique furent transformés en un objet magnifique. Supernet! De la planète, Supernet, à la rescousse de la planète. Tous les vidangeurs, sans exception, furent mis à la poubelle. Tiens donc, tiens donc. Oh non, mais non, au recyclage, voyant, ils furent recyclés en recycleur marin. Bon, à la Supernet, l'ancien dépotoir. Rempli d'ordures, de vin, un parc de villégiature. Et l'on y couronna Supernet, bien sûr, comme le super-héros de l'eau pure. Supernet, à la rescousse de la planète. Supernet, à la rescousse de la planète. Supernet, Supernet, Supernet. Alors, si vous le voulez bien, nous allons nous déplacer pour le couronnement. Waouh, j'ai jamais rien vu d'aussi clair et net. Oh! Confidence à te faire. Ce ne sont pas mes vrais dents. C'est vous, Couffle Clair, non? Ah, c'est super. Super. Maintenant, laissez-moi vous décorer. Vous êtes reçus comme recycleur marin! Merci, Supernet. J'ai compris. C'est vrai que recycler, c'est un jeu d'enfant. Et on ne sait pas ce que ces beaux trésors vont devenir. Les boîtes de conserve seront-elles transformées en automobile, en pédalo ou encore en beau sous-marin jaune? Mystère et boule de verveine! Mais on sait ce que les dépotoirs vont devenir. Des beaux parcs purs et nets. Oui. Merci, Supernet. Gros comme le ciel. Mais maintenant, je dois partir parce que je m'ennuie de mes petits brocolis. Et j'ai hâte de leur dire qu'on leur prépare un avenir clair et net.
Excuse-moi, Niche Fauclair. Tes petits brocolis. Tu vois, toi, tu as tes amis, avec qui tu partages la même cause, celle de nettoyer les fonds marins. C'est clair. Eh bien, moi, j'ai mes petits brocolis. Ma passion à moi, c'est les enfants. Parce qu'ils représentent l'éternité, et je suis certaine que la Terre va toujours s'embellir avec eux. En plus, je pense que mes petits brocolis vont sûrement avoir envie de t'aider à se permettre. J'ai une petite demande spéciale. Ah oui, quoi? Tu sais quelque chose de clarinette? Super! Nez de la roche-couche de la planète! Mes petits brocolis vont sûrement vouloir t'aider à prendre soin de la planète. Au revoir, Supernet. Merci. Il va revenir quand même. Il va revenir pour moi, pour me voir. Oui, oui. Tourlou. Quand je suis dans ma bulle, je suis somnambule. Je puise dans l'océan un doux moment. Je visite tes jolis yeux qui disparaissent tous les deux quand un sourire tout grand envahit ton visage d'enfant. Et moi je m'envole, j'ai le cœur en je suis dans ma bulle, je suis une libellule. Je survole la mer, j'y pêche un souvenir cher. Je sens tes petits bras tout doux qui s'enlacent autour de mon cou. Savais-tu que c'est toi parfois qui berce l'enfant en moi? Je suis dans ma bulle, mon cœur bascule. Je navigue dans tes eaux, il n'y a rien de plus beau. Merci, petit brocoli, tu rends hommage à la vie. Tu me ramènes à l'essentiel, c'est vrai que je t'aime gros comme le ciel.
Merci petit brocoli, tu rends hommage à la vie. De palmes, je connais quelqu'un de plutôt siphonné côté palmes. Alors, maintenant, je vous présente le super-héros.
héros de l'honnête que j'ai moi-même inspiré à Damo. Monsieur Supernet, c'est quelqu'un de quasi extraordinaire. Je dirais même presque parfait. C'est presque un chef-d'œuvre. Vous êtes absolument balayant, monsieur Supernet. Je dirais presque nettement plus meilleur, genre. Ça va, Supernet? Ah. Il a encore balayé. C'est la vie. Alors, après la pédicure, quoi de mieux qu'une coiffure? Une grenouille doit toujours être bien peignée. Allô? Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Allô? Excusez-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah! Bonjour les petits brocolis. Super net! À la rescousse de la planète! Excusez-moi les petits brocolis, c'est parce que je suis pris dans votre télévision. Et j'ai hâte de vous revoir. À bientôt.